idéogramme taillé ou signe du hasard que le soleil enflamme sur la paroi rocheuse. Au crépuscule, les traits virevoltent, pénètrent nos fibres sensorielles, interpellent une présence au monde où se conjuguent esprit, matière et musique. Dans la maison juchée sur la montagne, fenêtre ouverte, j'écoute la pluie et les rafales qui remuent le lac et la forêt, les nuages qui se bousculent en grondements sourds. J'écoute celle qui appelle Maria Faranturi, entonnant des chants grecs et byzantins, entremêlés de sonorités jazz. Sa voix grave plane au-dessus des mouvements syncopés, au-dessus de l'orage, telle une vibration qui défie le temps, lit les mondes terrestres et aériens. Secouée, émue, je me dévais, laisse choir les vêtements un à un. Devant le lac Tranche-Montagne, ou plongée dans le paysage d'enfance, ici et ailleurs les lieux fusionnent. Les verbes indociles cassent la pulsation. Je me dérègle, trébuche, ne tombe pas. Reprends la mélodie, chante plus fort, coule les syllabes. Gratissam, tisoïmou. Harmonise à la tierce. Entends ta voix à la carte. Bat la mesure et repars à tempo. Folie, grâce ou jeu, tu diras plus fort encore. Gratissant, disoïe.